Mardi 12 septembre 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le journal ça sous Tak Info News. Nami quoi comme toujours chaque matin pour présenter les essentielles informations aujourd'hui c'est Tilus. Merci parce que toujours avec nous. Rapidement, nous regardons qui ça qui est l'actualité. C'est hier, lundi 11 septembre, l'école là, l'ouvre officiellement dans le pays d'Haïti. Cependant, pas gué en pile élève qui te prend route l'école, autorité yo, t'es allé bien loin, loin territoire perdu yo, pour capable lancer année l'école là. Et c'est dans Jérémy, mais chef gouvernement Ariel Henry, lui a été allé inaugurer deux l'école du Casse Ruiné et l'école nationale Lifran en occasion. Chef gouvernement a eu une grosse difficulté pour être capable de rentrer avec cortège li à cause coup de bouteille, coup de roche qui t'a tiré sous délégation. Ou bien pour t'aller dans le journal sa réaction pour le ministre Ariel Henry dans l'occasion, mais tout ministre éducation nationale, nan, Nestlé Maniga. J'en doute dans la dans pays d'Haïti. L'école là pas modée, j'en sa a te prévoir dans capitale là en pile timon territoire la kayo et nous connaît dans zone métropolitaine dans tout qui en pile l'école qui servit abri provisoire pour monde capable dormir levé à cause gang cap courrier yo dans un carrefour feuille. Ancien député Antoine Odon bien-aimé li souhaité gagner yon entente qui joine journée mardi 12 septembre dans série débat cap gagner pour continuer dans non siatien dans pays d'Haïti et c'est vrai émissaire kay comme yo pape là mais bien et yon nan yo kap supervise travay yo. Genye Claude Joseph à travers parti là qui s'est aidé qui annonce yon marche kap fait là pour dimanche kap vin là pour dénoncer insécurité. Il dit pas nan négociation à Ariel Henry. Nous kon nouvelle là depuis bien bonheur hier matin. Pasteur Gérald Bataille, monsieur passe au bout de tête encore, monsieur mourit à cause li te et souffrant. Mais monsieur pour gen date là qui prévoit pour enterrement ou côté pasteur qui te connaît bien destiné Saint-Pierre qui s'est tout avocat qui défendi dans causé assassinat Jovenel Moïse. Et puis bien pour côté réaction deux citoyens Joseph Mackenzie qui s'est initiateur monde qui prend décision pour construire barrage dans rivière Massac et bien pour côté tout et d'une parison qui a réagi par rapport à décision autorité dominicaine de prend pour capable pas bail haïtien visa éphémère frontière d'Arabon. Restez avec nous titre ça yo à un pilote pour le faire essentiel journal là. Une autre fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le développement. Journal ça, Premier ministre Ariel Henry, il était couru loin capital là, loin territoire perdu yo pour aller baïkou d'envoi l'école là pour Anissa. Essayer dans un grand dans payant, il était tout possédé inauguration de l'école, l'école nationale du Casse Ruiné et l'école nationale Lifran. Dans occasion déplacement du Premier ministre là, il était également visité chantier lycée national Prévillé, construction infrastructure scolaire yo dans département Grenoble, c'est Fonds national d'éducation FNE et qui lui-même li financé yo. N'a coûté réaction Ariel Henry qui promet la première pour mettre l'école là à bien passer. En côté Ariel Henry. Moi content en pile. Jodi a vini dans localité Doudouche, 3e section Haute Guinodé, commune Jérémy pour participer dans cérémonie lancement année l'école 2023-2024 ça. C'est un gros jour, un grand moment pour venir voir nous, pour montrer nous l'importance l'école tout partout dans le pays a avec importance éducation qui une plus gros priorité gouvernement République là. Moins content tout matin dans grandance. Côté un pile gros écrivain marqué l'histoire pays a. Mais tout un pile te ministre éducation nationale Tankou Honoré Ferry, Élie Dubois avec Joseph Sébernard. Jeudi 11 septembre là, c'est premier jour ministère éducation nationale fixé rentrer l'école dans tout pays a. C'est un jour spécial dans la vie tout élève, tout parent, côté tout petit monde t'a dû prendre chemin l'école pour construire l'avenir grâce à l'éducation à connaissance. Nous admettons que à cause de situation dans quelques zones, il y a un pile petit peuple là qui pourra aller l'école semaine ça, à semaine prochaine. Mais le gouvernement prend engagement pour tout le monde à l'école. C'est un jour spécial pour la communauté Guinodé et la communauté Lifran. Côté gouvernement républicain a inauguré deux écoles.
pour plus de monde qui a gain accès à l'éducation, pour bien préparer l'avenir. Moi, profiter pour me saluer travail Fonds National Éducation qui avance pour augmenter la capacité de l'école publique dans le pays, et spécialement dans le Grand Sud, après tremblement de terre 14 août 2021, tant que le gouvernement est mandé. Qui t'aime dit nous clair, de septembre 2021 à Jodia, c'est 51 l'école que le gouvernement a construit. 8 déjà inauguré, 17 a inauguré pour rentrer de classe ça, et 26 lot a fini dans le mois décembre qu'a vini là. Qui t'aime ajouter pour nous que FNE déjà réhabilité sans l'école pour journalistes. Alors que moun qui besoin information, l'isla disponible pour yo dans FNE. Fom di nou tout, partenaires nou yo, en particulier partenaires international yo, ban nou yon bon coup de main. Yo construit 84 l'école. UNICEF construit 48. Solidarité laïque 25. World Vision 3. Compassion internationale 4. Et Digicel 4. Gouvernement pas dormi. Avenir Timounio concerné. Pas gain avenir sans éducation ak la vie pas gain prix. Liblaï tout partout dans pays a et tout monde doit comprendre nécessité pour protéger droit ça qui fondamental pour toute société. Gouvernement pas oublier parents, directeur l'école, professeur ak élève qui dans situation difficile dans premier jour l'école là. Ça yo à cause zak violence bandi surtout quelque côté dans capitale là ak dans la Tibonite. Gouvernement a appuyer initiative ministère éducation nationale ak partenaires yo pour activité apprentissage reprendre avant longtemps. De l'autre côté, gouvernement prend diverses mesures dans l'occasion rentrer l'école là pour soulager maman ak papa petit yo. Tout d'abord, nous font programme pour environ 500 000 parents l'école nationale, l'école communale, l'école communautaire. Puis recevoir 15 000 gourdes en deux parties et programme ça a déjà démarré. Plus passer 1 million livres à cahiers exercice à distribuer dans 10 départements yo pour tout le monde. Quitte li nan l'école l'État, quitte li nan l'école privée, si tout sa yo ki nan deux premières années l'école yo. Quitte escolaire ak uniforme pral distribué nan plusieurs écoles l'État. Et puis j'aime désolé, c'est pas seulement Ariel Henry qui était présent, gain ministre éducation nationale là, Nestlé Maniga qui était présent dans occasion tout lui-même qui parlait sur entrée des classes là, il a annoncé tout mezi pour permettre toute bagaille bien passer, mais on connaît grand pile mâchoire gonflé contre ministère surtout dans niveau enseignant yo, côté ministère doué on pile l'argent pas jamais payé yo, en côté déclaration ministre éducation nationale là, Nestlé Maniga. C'est toujours un grand privilège pour chaque ministre éducation nationale premier jour école pour lui dire deux mots. En pile bagaille dit déjà et moi content que je dis 314 élèves qui inscrit dans l'école du Kaskouine dans communauté ça, yo occasion gon bel local et depuis premier jour yo là. Dans ça qui te dit matin, m'a pas ajouté un point dans programme gouvernement pour année ça. Et m'a dit directeur, pas oublier tant qu'on nous dit ça, tout directeur l'école nationale, pas oublier faire liste tout parents qui gen ti moun qui inscrit dans l'école ça. Nom, prénom, prend information yo, carte yo, prend téléphone yo, téléphone qui inscrit sous nom yo pour que programme gouvernement mette en place année ça pour que parents qui dans l'école nationale communale dans pays yon, yon capable joindre 15 000 goud dans l'occasion année l'école 2023-2024 là. Initiative gouvernement démarré déjà et nous souhaitons que direction départementale Grandens continue à faire effort pour que tout directeur l'école nationale yo nous avance plus vite, plus rapide pour que si tout ça arrive très vite dans poche maman avec papa petit. M'pa longue, j'aime te dire même dans me rappeler tout. Jodi pendant 314 timoun gen chance pou là. Nous connaissons tout et me souhaiter que nous gen solidarité avec ça qui poko à l'école pour différentes raisons mais que nous connaissons que yo là et que n'a travaillé pour que avant longtemps sans pas perdre du temps tout timoun qui gen droit à l'éducation yo capable tant que tout timoun qui dans l'école du Kaskouine jodi le plus vite possible yo reprendre chemin l'école.
J'aime des zones là, il y a diverses écoles dans la capitale là qui parlent ouvrier à cause des situations, tensions qui gagnent dans la zone métropolitaine là. Il y a un directeur de l'école, Toko, directeur de l'école Fritz Pierre-Louis avec Jean-Jacques Dessalines qui réagit sous ouverture de l'école là. J'ai constaté là, pour le lycée Fritz Pierre-Louis avec tant d'autres lycées qui gagnent dans la capitale là, ils sont pratiquement occupés avec professeurs et puis tant d'autres monde qui viennent réfugier dans l'espace là. Mais on n'a pas essayé de comprendre. Administration lui-même est toujours oui. Ça que nos compétences par nous, on a toujours fait. Et que nous avons fait tout ça qui dépend de nous. Pour nous, où est-ce qu'il mesure une capable, qui quantité d'élèves nous gagne déplacer. C'est actuellement là, je travaille sur un ensemble de timons qui quittent l'école là. Pour nous, qu'on ait qui décision pour nous prendre. Conditions n'ont pas réuni pour que l'école là, reprenne dans le lycée Jean-Jacques par rapport à tout déplacer ça, que nous gagnons là. Donc, c'est un problème qui nécessite l'intervention de l'État et ce, au plus haut niveau. Parce que très certainement, ce n'est pas un problème qui incombe uniquement à l'éducation nationale, qui lui-même lit là pour lui réguler le système éducatif. Parce que là, il est question de sécurité publique. S'agissant d'un problème de sécurité publique, donc ce n'est pas vraiment l'apanage du ministère de l'éducation nationale, c'est plutôt l'État dans son ensemble. Je ne te dis là, c'est jeudi en là, gagner, de négociation, yo, qu'après, poursuivre dans l'anciatien. Donc, on est émissaire carré comme yo, yo, sorti bredouille. Donc, j'ai autant entré à yo, aller comme seulement à radio retourner. Mais pas qu'il aucun entente qui joigne dans mi-temps acteur politique, yo. Et c'est jeudi en là, yo, prend rendez-vous dans l'anciatien. Et gagner, c'est député Antoine Rodon Bien-Aimé, qui a dirigé strictis à créer les compromis historiques, qui souhaitait acteur aux jeunes non solution dans la crise, ça. En côté Antoine, nous donc bien aimé. Nous-mêmes, dans le programme historique, nous souhaitons qu'il soit, c'est ça que nous avons parlé d'entente inclusive. Il y a une entente côté, tout le monde doit participer là-dedans, parce que chaque monde doit parler l'argent. En nous conjuguer ensemble, pour nous avoir juste milieu, pour nous avoir une position médiane côté, balance la lap équilibrée, côté tout le monde a sorti en confiance. Et c'est ça qui va être là, je négocie. Moi-même, m'a demandé à Kyo, dès demain, 4-12 là, comme pour parler ou bien négociation yo, à vous commencer, pour yo faire effort, pour mettre égo de côté, orgueil de côté, rancune, la haine, hypocrisie de côté, pour nous mettre intérêt pays, intérêt collectif là, priorité qui est capable d'aider nous, sortir dans sa nuit là, parce que c'est ensemble pour nous sortir, qui yo t'a venu faire nous sortir, venu retirer nous, yo t'a venu retirer nous déjà, yo t'a venu retirer nous, c'est nous pour entendre nous, pour nous retirer tête nous ensemble, pour nous capables de nous réveiller à côté de ça. Parce que là, on groupe en al, l'autre groupe là en eau. Et pour que ce médiane, pour que j'en arrive à joindre. Parce qu'il y a un groupe qui dit faut que le ministre en démissionne. Il y a un groupe qui propose, faut mettre en débat la proposition du premier ministre à la Jamaïque. Il y a un autre groupe qui dit que faut qu'il y ait un HTT qui ait attribution présidentielle. Je crois que concilier trois groupes ça, ce n'est pas facile. Mais Dieu soit loué, le dialogue va continuer. Pour parler va continuer, souhaitons que le week-end s'action de passer là, nous y entendons des raisons. Même j'en ai compromis là, nous devons prendre pour nous dire que soit pas des sacrifices trop grands nous, pour nous faire pour payer. Il y a un essayer de mettre tout les égaux de côté pour permettre que nous entendons nous pour une solution parce que à quoi c'est nous pour une consensation, nous pour une parce que blanc parce que là on a négociation, on doit demander ça, mais faut analyser opportunité sur le monde faisabilité. Je dis alors, moi, des premiers ministres, vous le démissionnez. On ne peut pas pouvoir en amener le monde pour aller, mais faut être une force contraignante qui est contraignante pour aller. Je dis alors, il y a un accord 21 décembre, qui gagne un premier ministre, qui gagne un HCTA, qui gagne un signataire. Après, il gagne le signataire des questions, la société civile, le secteur privé des affaires. Nous gagnons la CARICOM, qui joue le rôle, habite là, qui là, pour arbitrer, pour qui gens nous capables d'entendre nous sans violence, dans dialogue, dans respect de l'autre. Il n'y a pas là, mais moi, je crois que gagne Colin Granderson, qui est présent virtuellement pour diriger débat, pour orienter débat et pour permettre que nous capables de jouer en tant que place. Et puis dimanche qu'a vienne là gagné Claude Joseph qui c'est responsable parti aidé qui a annoncé la fond manifestation qu'a passé dans plusieurs côtés mais y a gagné pour rendre dans Kafoua yo port prendre direction Boudon pour aller devant résidence officielle premier ministre Ariel Henry yo marche qu'a fait là pour capable dénoncer insécurité mais tout il fait qu'on est yo pas dans négociation à Ariel Henry Claude Joseph et Onless Francisque ces deux dirigeants parti ça.
Nous avons un pays qui ferme. Nous avons un pays qui sans gouvernail. Nous avons un pays qui va gagner premier ministre, qui va gagner gouvernement en tête. C'est ça qui fait fatigue politique aidée. Même gens avec en pile l'autre organisation. Yo invité peuple haïtien dans une marche pacifique contre insécurité, contre la vie chère, contre kidnapping, une marche en solidarité avec femmes, petites filles qui a violé, une marche en solidarité avec mon Kafoufeuille, avec mon Nazon, une marche solidarité avec mon Canaran, une marche solidarité avec mon Solino, mais une marche solidarité avec tout le monde qui est victime et qui probablement est pour victime si vous pas levé campé dans la question de sécurité. Parti politique aidé pour nous tous connaître. C'est une table de négociation. Nous remarquons que négociation, c'est une façon que le pouvoir a utilisé à Kalielio pour être capable de gagner plus de pouvoir et été plus temps sous pouvoir. Il n'y a pas de bonne volonté, il n'y a pas gagné aucune conscience. La situation pays a dégradé et que Ariel Henry est doué tendre la raison. Parti politique aidé pas quoi. C'est sous table-là seulement ou bien c'est table-là qui a baillé résultat. C'est pour ça. Nous voulons camper beaucoup de peuples haïtiens hein, qui ont même commencé impatients à parler en pile parce que vous connaissez que Ariel Henry, après 2 ans d'échec catastrophique, il n'y a pas aucun résultat qui a baillé. Nous ne voulons pas complices, nous ne voulons pas coupables. Le peuple haïtien voulait lui-même prendre le lead négociation. Nous-mêmes, nous avons aidé, nous voulons camper bon côté, nous voulons camper derrière nous. C'est pour ça que nous invitons le peuple haïtien dans une manifestation, dans une marche pacifique. Alors, quelle que soit la couleur politique, quel que soit le chapeau organisationnel, quelle que soit la religion courrier, quelle que soit la tendance ou la sociale, nous toutes allons marcher pour nous dire non à l'irresponsabilité, pour nous dire non à kidnapping, insécurité, pour nous dire oui à solidarité envers victimes, violence gagne. Mais plus gros violence que la population haïtienne a subi jeudi. Donc son appel à mobilisation pacifique pour nous forcer à Ariel Henry. Tant de raisons parce que nous pas quoi. Subterfuge, nous pas quoi. Ou les débats, nous pas quoi. Mauvaise foi qui vient sous table beaucoup d'Ariel Henry à Kalilio, kabay résultat. Aider quoi dans discussion, mais aider pas quoi dans négociation ou les débats, aider pas quoi pendant peuple là, les mêmes, il y a calamité, adversité, problème lié là, nous carrêter tout en bas en table avec un premier ministre pendant 2 ans qui renforce misère, qui renforce tribulation, voulez parler avec le Premier ministre Ariel Henry pour capable organiser et planifier démission. Mais nous ne pouvons jamais comprendre aucune structure, organisation, voulez cohabiter, demander pour Ariel Henry ses solutions à problème pays. Je dis à peuple haïtien, monsieur Ariel Henry, c'est pas solution à problème. Puisque s'il des solutions à problème là, c'est 2 ans qu'il fait la gouverne. Pas gain aucun chantier qui campait. Pas gain conseil électoral provisoire. Pas gagné aucun effort qui fait pour réforme constitutionnelle. Qui donc pas gagné l'élection. Situation insécurité a extrêmement aggrave. Crise économique là, vin pi aiguë. Peuple là a souffri. Moun yo nan grand goût. Moun yo nan la misère. Sakte propriétaire vin locataire. Yo pas locataire encore kounye, yo nan la rue, yo sans abri. Peuple haïtien, li pale. Nous même nan aidé sous table négociation. Nous pote parole li, mais gon côté patience population a privé. Et moi crois que nous ou étendre pour accompagner dans la rue. La presse, rendez-vous à Cassé, dimanche 17 septembre à 10h, dans Delma. Il y a un groupe qui a sorti dans Delma 33 pour plage jeudi. Il y a un groupe qui déjà a rassemblé BOTNH. Il y a un lot qui a sorti par en bas dans Carrefour Aéroport. On a pris route pour monter Delma, pour entrer Delma 40B. Et destination, c'est devant Primature. C'est là nous pouvons lancer le message que le peuple haïtien va lancer avec Ariel. Mais nous considérer gagner un compatriote qui était propriétaire, qui vient locataire et puis qui vient sans abri, ça veut dire qu'il domine là. Situation ça on a décrit là, c'est situation mon kafoufè, mon tabac, mon canard, mon bonre, mon penny, mon soline, mon lilavois, mon nazon pour citer zone ça seulement côté en pile qui sous gros menace dans cas ça yo femme kouti fi a subi sa violence toute cal. Mon a mouri papi la papake. Si ma chauffeur, ouvrier, médecin, infirmier, businessman, avocat, ingénieur, journaliste, policier, protestant, vaudouisant, étudiant, professeur, personne pas épané. En plus, toute violence sa yo, yon na pi gros violence population a subi, c'est abandon ak mépris gouvernement Ariel Henry a dirigé. Mon ka foufè a mouri, a couru pour insécurité et violence, gouvernement Ariel là abandonné, li méprisé. Mon canaran a mouri, a couru pour insécurité et violence,
gouvernement Ariel là abandonné. Moun Solino a mouri, a couru pour insécurité et violence. Gouvernement Ariel Henry a dirigé a abandonné. Li méprise. Moun Bon Repos, moun Li La Voix, moun Nazon a mouri, a couru pour insécurité et violence. Gouvernement Ariel Henry a dirigé a abandonné. Li méprise. Nan sans ça, parti politique aidé a en pile l'autre organisation dans tout secteur dans la vie nationale là décidé lancer une marche pacifique dimanche 17 septembre qui a venir là à 10h du matin pour porter solidarité à moun ka foufè, moun taba, moun canard, moun Bon Repos, moun Peigné, moun Solino, moun Nazon à toute l'autre zone côté compatriotes yo a subi violence en bas gang armé trop sans couler nous pas capable encore Haïti pas gaspiller dans sens ça tout monde invité moun Nazon moun Delma moun Pétionville moun Kafoufè moun Canaran moun Bon Repos moun Tujo moun Canapé Vert moun Pernier moun Debussy moun Fond National moun Simon Pelé moun tout quartier dans zone métropolitaine là invité quel que soit rang social ou quel que soit religion quel que soit parti politique ou quel que soit organisation on a marché pacifiquement ensemble. Mais là qui pour un rassemblement, Carrefour Aéroport, Delma 33, zone télévision nationale, en bas Limier Lali, à place Saint-Pierre, dans Pétion. Pour un parti politique aidé toujours dit, bataille peuple haïtien pas gagnant, c'est bataille, li pas jamais mené. Bataille peuple haïtien pas gagnant, c'est bataille, li pas jamais mené. Merci, rendez-vous cassé sous béton, hein. Dimanche 17 septembre, qui a venu là, yon dit l'autre. Et puis, j'en désigne dans le secteur protestant, li en deuil, après la mort, pasteur Gérald Bataille, pasteur et avocat Destiné Saint-Pierre, qui était contre monsieur, d'ailleurs, qui était défendu dans le dossier Jovenel Moïse, là, qui a, non plus de détails sur ça qui rivait, et l'a, retracé tout, la vie, pasteur Gérald Bataille. Hier, pasteur Gérald Bataille, il était l'église, il a prêché, pour le service de Dieu, qui rapidement, ça tombe à l'heure, il y en a un inévitable. Je stabilise le vieux d'année, et puis maintenant, et puis que malheureusement, il quitte nous. Voilà, sans coup de jeu pour nous-mêmes, effectivement, je confirme les nouvelles, pasteur Gérald Bataille. Ah, généralement, parce que Gérald Bataille, il souffre, c'est pas mon gars qui me donne des maladies, non, mais il était diabétique. Il était diabétique, d'ailleurs, c'est crise, il fait crise supplique que maintenant. Et comme avec pasteur Bataille, son homme courageux, son combattant, son leader, d'ailleurs, moi-même, pasteur de Sénèque, j'ai un avocat qui a défendu pasteur Gérald Bataille. Et il était accusé, lui, même si c'était une raison de dire, il y avait notamment la justice, notamment dans la cabinet d'instruction, et que le juge va tout en délit, et puis de la liberté fonctionnelle. Pasteur Bataille a fonctionné normalement, que ce soit dans les brisés, que ce soit dans les colis, que ce soit dans l'université. D'ailleurs, on est son équipe qui travaille en pile dans la société. Et là, avec une mission d'unité d'église, et plusieurs écoles, que ce soit au Cali Canaran et Cafougé à Bataille, et l'université a venu ici fondée en 2012. Donc, c'est vraiment un homme qui impacte les sociétés. Ce qui est parti pour lui, pasteur Gérald Bataille, il fait continuer à exercer le ministère, la politique fait un temps pour que la justice se vienne le coup de lui, et puis que j'ai découvert que le patron est à voir, ça va dire. Moi, je suis un peu du pasteur Gérald Bataille, c'est pas seulement dans le secteur protestant. D'ailleurs, il y a une, je sais pas, il connaît ce seul monde qui a vécu depuis que tout ton quartier, tout le monde. Gérald Bataille. C'est Gérald Bataille, ça. Alors, Fond de Sonnet, qui commence le ministère, il est très tôt, depuis à l'âge de 16 ans, et là, t'as commencé le ministère côté autant de Gérald Bataille, là, son rack doit quitter là. Et puis, tu as pu écraser pour commencer, et l'église dans le Cafouas, dans la première église dans le Cafouas, c'est avec route là, que l'église a égalé de la Saint-Abbé avec les défenses là. Son là qui fondait, Santa Babylé, la mission église, qui est le premier chrétien, qui gagnait vers les 18 églises qui attachaient à lui-même, et lui-même, ensuite, son là, dans la communauté protestante là, qui impactait la communauté protestante là. D'ailleurs, l'an dernier, j'étais ambassadeur fiscal que j'ai pour la communauté protestante là. D'ailleurs, on a quitté en pile position dans le PIA. Et ensuite, il était consacré à l'éducation, consacré à la santé dans le PIA, formé des jeunes. Et j'étais comme Félina, qui est le Félina, Emmanuel, qui était formé des jeunes, nous sommes. Et puis, vous avez même, vous avez tellement eu des universitaires, il y a travaillé dans l'institution. Bon, raison 1, c'est en raison sans garder les sociales, parce que c'est le premier monde qui est intervenu dans la zone qui te mettait des œuvres sociales. C'est le premier monde qui fait l'église là dans le Carrefour, c'est un petit boulot, nettoyer zone 1,
qui prend lever zone. Est-ce qu'on connaissait rôle l'église tout depuis l'église rive dans zone, il impacte ces zones là depuis l'église rive dans zone, il change zone là et me pense que c'est un signe de reconnaissance et me pense que de ça qu'il te fait que premier citoyen zone ça fait que te bail zone là relé Carrefour Gérald Bataille, c'est exactement ça, c'est impact li et c'est premier monde qui lever zone dans la dimension qu'il y a parce que le pasteur Gérald Bataille était rentré dans zone là, c'est ton qu'il regarde boire global qui était là. Puis je dis la situ gagne autorité dominicaine qui ferme frontière d'Abona et suspend visa pour haïtien qui surtout participer dans construction canal ça dans rivière massacre. Bon bah là on ti Jean gâté autorité dominicaine ba autorité haïtienne jusqu'à jeudi pour capable faire camper sous ça mais nous apprend autorité haïtienne qui t'en obéi ou te même voyé policier pour faire camper mais moun dans zone n'est pas d'accord. En côté une initiative mouvement ça Josapha Mackenzie qui dénonce position autorité dominicaine mais tout dénonce tout comportement m'en fout bien autorité haïtienne. Depuis dernière décision que nous prenons pour finaliser le canal là, c'est pas décausé qu'a parlé dans la presse dominicaine. Le président dominicain fait des tweets pour dire que ça ne fait pas en tant que peuple, c'est en deux autres qui a fait le pays. Et de fait, dernière décision que l'État dominicain prend, quand est-ce qu'il a fermé les frontières? Il a fermé les frontières, il dit jusqu'à ce que haïtiens boucher canal qui a construit. Tu as regardé le dernier article que Luis Ngayo fait sorti, rapporté que ça Dominique dit. Dominique a considéré que ça le fait, c'est une insulte. C'est une désordre que le peuple haïtien fait par rapport à ce qu'il a faire au canal dans la rivière. Mais il n'a pas considéré que il a 11 prises déjà sur la rivière. Nous-mêmes, en tant que haïtien, c'est la première fois qu'il a construit une prise pour alimenter Pierre de Paysan en plein. Mais ils considèrent ça comme une insulte, une désordre, ils qualifient pour faire un peuple haïtien payer très cher. Et je dis à Dominique agit, ils ont constaté que ils étaient bouchés sur ancien pont. L'autre point, ancien pont, ils ont décidé de ouvrir le canal ça pour prendre une rivière pour faire passer la dedans pour détruire. Nous recevons un appel de délégué départemental là qui dit que le gouvernement a rien à côté avec nous. Et ils ont envoyé une délégation qui est dans la tête. Paul Henri Voltaire, chef cabinet ministère intérieur, qui a rencontré les paysans dans vendredi après-midi, qui a planifié une rencontre pour samedi dans la matinée. Rodin construit un cahier de décharge, monter un cahier de décharge pour voir le gouvernement. Par contre, décharge ça pour la porte. Rodin nous pour former une commission de suivi sur ce canal. Nous avons construit un cahier de décharge pour voir le gouvernement. Nous avons travaillé. Et début là, le gouvernement, pourquoi ni je me dis rien, mais je ne prends qu'une décision pour venir accompagner les paysans dans la question de construction du canal. Le peuple haïtien dit, ça c'est bobine qui a même décidé qu'il peut, qu'il compte, qu'il peut construire ça pour alimenter pleinement. Parce que nous avons cherché dans ça, dans la construction pleinement. Je dis à nous-mêmes, paysans en pleinement, nous pouvons activer ça, nous pouvons initier ça, pour voir un signal par le pays, pour dire, laisse le pays, nous sommes peuple qui libre. Nous sommes peuple qui est indépendant, nous sommes peuple qui est souverain. Je veux dire, même gens, dans le temps passé, que nous avons gagné ça à l'autosuffisance alimentaire, nous avons gagné autodétermination comme peuple, nous avons gagné souveraineté comme peuple, eh bien, nous avons passé tout en papier, je veux dire, nous avons perdu. Eh bien, je veux dire, peuple, par exemple, décide pour que nous, pour ça, pour chercher autosuffisance alimentaire comme peuple. Nous voulons sortir dans la dépendance alimentaire que nous avons là, nous voulons dire. Nous voulons produire pour que le peuple ait souveraineté, qu'il y ait autodétermination pour qu'il y ait autosuffisance alimentaire. Est-ce que nous allons être pour un délai pour canal? Edwin Parizo, qui est responsable Fondation Zile, ancien ministre Aïssé qui a vécu à l'étranger, dénoncé décision go poignette, go bibit, autorité dominicaine yo prend la a pour capable fermer frontière d'Abona et annoncer pour fermer l'autre poste frontalier si gouvernement haïtien pas fait rien à partir de qui vient là, donc yo capable fermer l'autre poste frontalier. Gen Edwin Parizo qui souhaitait gen tête qui joine dans un domaine ça, en côté Edwin Parizo qui c'est responsable Fondation Zilea qui travaille avec migrants sous frontière. C'est une décision qui surprend tout le monde. En rapport à qualité vitesse que président Luis Abinader décide de passer là, sous question construction canal qu'a fait sous rivière Massacre là, et dans zone Maribao. C'est deuxième épisode, yon situation, et qui commençait depuis mai 2021. Face à, je dirais, certaines critiques de groupes ultranationalistes, pression groupes ultranationalistes, le gouvernement dominicain, à travers du Conseil national de sécurité, il prend disposition sérieuse. Numéro 1,
c'est la suspension des visas pour tout le monde qui est impliqué dans le conflit, ça, selon eux-mêmes. Tout le monde qui est impliqué. Bon, leur a parlé de monde qui est impliqué. Est-ce que c'est de commerçants et de politiciens, ça, eux, qu'ils n'ont pas identifié? Ou bien est-ce que c'est tout le monde qui travaille, parce que c'est des centaines de monde qui travaillent chaque jour et sous canal là, et puis toute qualité monde qui a porté contribution économique yo, pour que les travaux canal là continuent. Deuxième point, ils ont décidé en solution définitive à problème ça, c'est-à-dire que et pas gagné une décision de la part du gouvernement haïtien qui pour faire travail à la campée, pour que définitivement travail à la campée. Donc depuis ça pas fait jeudi, ultimatum de la République dominicaine, c'est que eux-mêmes, ils pral fermer frontières honnêtes, frontières terrestres, frontières maritimes, frontières aériennes. Depuis travail à pas campé, jeudi, il a fermé frontières, toutes les frontières avec Haïti. Ça son gros vitesse, on t'a dit qui pratiquement même aller vers une rupture des relations et avec Haïti. Ça nous pas comprendre ni nous pas arriver comprendre ni vu que les deux parties étaient déjà prévoit qui ça doit faire si gagnons une situation quelconque à gérer et que les différences sont profondes. Troisième décision de la part du Conseil de sécurité de la République dominicaine, c'est de réactiver une prise que ont gagné non côté relé à douane. Yon bon prise sur rivière Bona Rabonne. Mais prise ça a gagné li pas opérationnel, donc yon décidé réactiver. Là, il a cherché à protéger Tétio pour 6 ans. Et prise qu'a fait à travers le canal, t'a séché de l'eau. Parce que c'est ça qu'il dit. Il dit que, et prise qu'a fait à travers le canal, là, il pral réduit le débit des eaux du côté dominicain. Et donc, et c'est peut-être ça qu'il n'est pas d'accord pour le canal. Alors, il a déjà fait des prévisions pour 6 ans. Et qui côté eux-mêmes, il va joindre de l'eau. Donc, il dit, pour réactiver prise ça. Mais en deuxième lieu, il pral lancer ou bien relancer la construction d'un barrage dans une communauté où il doit prendre deux décisions qui viennent pour une réponse immédiate au cas où tu as gagné un problème d'approvisionnement en eau pour la République dominicaine qui découlait des travaux qui se font actuellement sur le canal ou bien dans le canal. Et puis, une troisième mesure que je prends, et moi, pense que ça, c'est là, c'est mesure ça que je dois prendre depuis et bien avant, dès le début de cette nouvel épisode de la crise autour du canal. C'est demander une réunion de la table binationale hydrique. Donc, nous connaissons que tu as une information que tu as échangé entre deux parties, yo, mais réunion ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Réunion ça, qui côté le doit faire? Est-ce que c'est en République dominicaine ou bien est-ce que c'est en Haïti? Moi-même, nous t'a favorisé au niveau de la Fondation Jury que le fait en Haïti. Et vu que situation que nous géré à en Haïti, et que l'année dernière, alors il y a 2 ans, et délégation haïtienne n'est obligée à aller à la chancellerie dominicaine pour et à discuter de problèmes. Donc, en termes de réciprocité et d'équilibre tout, dans la gestion type de réunion ça, on souhaite que réunion ça il fait en Haïti. Maintenant, le gouvernement dominicain dit tout, la paix prend toute disposition qui est nécessaire pour protéger et défendre la souveraineté nationale. Nous ne comprenons pas de quelle façon la souveraineté nationale est mise en danger par rapport à la construction canal là, mais de toute façon, c'est un résumé des décisions importantes. Si nous avons regardé dans l'archive historique de pays, par contre, à combien de temps ça t'a qu'à remonter pour que et nous gagnions en situation similaire, côté que bon ultimatum sur Haïti, si le gouvernement haïtien n'a pas de réponse, eh bien c'est pratiquement, je dirais, en sorte de rupture des relations avec Haïti, parce qu'il va le fermer, il a fermé toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes. Voilà, c'est bon pour nous connaître qui ça qui gagne dans Sports et c'est Jonathan Charles qui a bien informé nous. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la rubrique sportive là, ensemble avec Jonathan Charles, les mêmes qui a présenté nous la rubrique ça. Actualité sur le plan local, nous avons commencé ensemble avec football féminin. Gagné sélectionné, on a parlé de Frédéric Gonçalves, monsieur lui-même, qui mettait dehors là des joueurs présélectionnés. Sélection haïtienne, dans le mois, ça a gagné pour jouer un match. Dans la Ligue des Nations. Bon côté, mesdames, yo, on va y lister en détail. Dans le goal, c'est Kerlite Hus, qui a joué dans le Football Club Miami City. Gen Lara Sofia Laoko, qui a joué dans Georgetown University. Nous jouons dans le joueur Rosemary Joseph, qui a joué dans l'équipe Aminatoukla
gen Naomi Amboise kap jwenn l'idol Heidi. Défenseur yo c'est Kitna Lukwi kap jwenn équipe Montpellier et Rolta. Chelsea surpris. Amandine Pierre-Louis, gen Chloé Joseph, Kamina Oklahoma State University, Milan Raquel, Pierre Jérôme, Kamina George Mason University, Megan Saint-Cyr, Kamina Alabama University, Tabitha Joseph, Kamina Olympique de Marseille, c'est défenseur. Dans le milieu terrien, nous jouons des joueurs de coucher les jeudis, Kamina Racing Club de Lens, Daniel Etienne, Kamina Fordham Rams, Noah Olivia Gantier qui s'est joueuse Weston Football Club, Modeline Moril capitaine équipe Grenoble Foot 38 ans, Melchi Dahel Jumone fraîchement championne avec Olympique Lyonnaise, Diana Pierre Louis cap joué dans Racing Club de Lens, Joanne Laforte cap joué dans Saint-Denis, jeune joueuse de coupe Minglen Dorsey cap joué dans Exafoot, Karine Jean cap joué dans Ami Nato. En attaque qui est qui convoqué, c'est Roselor Bourgela cap joué dans Le Havre, Batsheba Louis cap joué dans Football Club Fleury, Roseline Eloisin cap joué dans Strasbourg, Nerilia Modésir attaquante Montpellier, Chouedenski Marcellus Joseph cap joué dans équipe Zenit Saint-Pétersbourg. Voilà si je crois ça que Frédéric Gonçalves lui-même l'y convoqué. Mais si nous regardons dans l'issa pas gagné la présence joueur ça était Courtney Maturin, Bettina petit frère, Esterikov Joseph, Jennifer Limage qui blessé, Darlina Joseph, joueuse ça qui était dans Coupe du monde là, malheureusement il pas convoqué. Par contre, gagné surprise dans l'issa c'est Amandine Pierre-Louis qui fait à Montréal dans pays Canada qui joue dans plusieurs catégories pour sélection canadienne là les joignent bénédiction Frédéric Gonçalves Amandine gain 28 ans Haïti cap gain pour jouer 21 septembre cap venir là contre Costa Rica et n'a recevoir match ça dans stade Panamericano quoi déjà souhaité succès ensemble avec sélection haïtienne là n'a quitté football bon côté mesdames yo n'a parlé football bon côté monsieur yo Ligue des Nations dans zone CONCACAF là dans Ligue A groupe à Soya à 8h dans stade National Independence Park là sélection haïtienne a en déplacement la CAI Jamaïque. Si nous regardons première fois deux équipes ça a été joué c'était en amical 22 mars 1925 sélection haïtienne a été tombée 1-2 face Jamaïque et c'était premier match dans histoire sélection haïtienne tout. Et dernière fois Haïti a joué ensemble avec Jamaïque c'était 6 décembre 2016 quatrième tour éliminatoire Coupe du monde 2018 Haïti a bat Jamaïque 2-0 dans ville Kingston. Bilan entre Haïti ensemble avec Jamaïque il joue 54 matchs 25 victoires jamaïcaines 25 victoires pour la sélection haïtienne de football qui 4 matchs nuls. Jamaïque by Haïti 75 goals, Haïti by Jamaïque 85 goals. Puis go victoire qui fait en amical, c'était en 20 novembre 1926, la Jamaïque était passé Haïti 6-0. N'a tout fait transition à aller dans page internationale là, n'a continué parler Ligue des Nations dans zone CONCACAF là. Reste programmation pour jeudi dans même groupe ça à 4h. Cuba a recevoir Suriname. Puis dans Ligue B à groupe C à 3h30 dans l'après-midi, Saint-Vincent et les Grenadines a recevoir Bermude. Dans même groupe ça et dans même loya, Belize a souterrain Guyane française. Puis dans groupe I, El Turc et Caicos a recevoir la Dominique dans même loya. Puis à 6h de la soirée, Ligue B groupe D, Guyane anglaise a tenu Bahamas. Dans groupe F là, en Ligue B à 7h de la soirée, Antigua et Barbuda pral la caille Porto Rico. Match cap clôturé soirée ça. C'est pral à 10h dans la soirée. Dans Ligue A groupe B, Honduras a recevoir Grenade. N'a mette tête nous kounya en Amérique du Sud pour nous parler de deuxième journée éliminatoire Coupe du Monde 2026. C'est jeudi en deuxième journée à jouer. La commencé à 4h dans le stade Hernando Celestla. Dans tête maintenant, stade ça attendait ça qui dans. Yon altitude de 3637 mètres. C'est le deuxième stade qui pi gros dans le monde. Nan. Champion du monde en titre, l'Argentine pral visiter Bolivie. Ça qui compte pas souvent bien passer pour l'Argentine. Dans tête monde, ça et parfois l'Argentine compte prendre des scores de tennis. À 5h dans la soirée, dans le stade de Liga Deportiva Universitaria, l'Uruguay a visité l'Équateur. Puis à 6h dans la soirée, dans le Monumental de la Marutina, Venezuela a recevoir Paraguay. À 8h30, dans le stade Monumental, Chili a obtenu la Colombie. Et puis à 10h dans la soirée,
Brésil pral la caille Pérou. C'est match ça cap clôturer deuxième journée. Match ça l'a joué dans stade national. N'a quitté éliminatoire Coupe du Monde. Nous pral parler kounya éliminatoire Coupe de Europe 2024. Résultat qui était fait hier. Dans le groupe D, il y a une Croatie qui bat Arménie 1-0. C'est Andrej Kramaric qui a fait gol dans la 13e minute de jeu. Dans le même groupe, il y a le pays de Galles qui bat Lettonie 2-0. Et n'a pas fait connaître le groupe G, en Slovaquie bat Liechtenstein 3-0. Dans le même groupe, ça, tandis ça, Portugal atomisé Luxembourg. Il a passé le score basket 9-0. Et qui est-ce qui fait gol? Il y a 3 joueurs qui fait doublé. Gonzalo Ignacio, monsieur, fait 2 goals. 12e et 45+4. Gonzalo Ramos fait 2 goals. 17e et 33e minute de jeu. Diogo Jota, 57e et 77e minute de jeu. L'autre joueur qui fait goal, c'est Ricardo Jorge Luz Holta. Il fait goal dans 67e minute de jeu. Bruno Fernandes, 83e minute de jeu. Joao Félix débute dans 88e minute de jeu. N'absi aller, Cristiano Ronaldo pas joué match ça en raison de cumul de cartons. Dans le même groupe ça, Islande qui a bat Bosnie-Herzégovine 1-0. Et qui j'en programmation à pied pour jeudi a bien 9 matchs à 2h45. Dans le groupe A, l'Espagne qui a recevoir Chypre et Georgie prend la caille la Norvège. Dans le groupe I, il y a Andorre qui prend la caille la Suisse. Dans le même groupe ça, Roumanie a obtenu Kosovo. Israël a obtenu Biélorussie toujours dans le groupe IA. Mais dans le groupe F, il y a la Suède qui a obtenu l'Autriche. Belgique a recevoir l'Estonie. Mais dans le groupe C, il y a l'Italie qui a obtenu l'Ukraine. Dans le même groupe ça, il y a joué Malte qui a recevoir Macédoine du Nord. On a fini ensemble avec un match amical à 3h aujourd'hui dans le stade Iduna Park. Là, l'Allemagne a recevoir la France. C'est pour le 33e match de l'équipe qui a joué. La France bat l'Allemagne 15 fois. Il y a 8 matchs nuls et 9 victoires allemandes. L'Allemagne qui est en crise là. L'Allemagne qui n'a pas gagné entraîneur principal et Hans Dieter Flick, M. était joué une lettre révocation. Et c'est ancien champion du monde de titre, et champion du monde, pardon, la palette Rudi Völler qui était champion avec l'Allemagne en 1990. C'est monsieur qui pourrait amener l'Allemagne dans le match ça. Et monsieur qui était entraîné l'Allemagne jusqu'en l'année 2002. L'Allemagne a perdu final Coupe du Monde face à la sélection brésilienne. C'est pour la retrouvaille entre Rudi Völler ensemble avec Didier Deschamps. Deux monsieur Sao qui était remporté Ligue des Champions 1993 là ensemble avec Olympique de Marseille. Avec dernier info, ça, on a mis fin à la rubrique sportive là. Jonathan Charles a présenté nos lits. Mais c'est tout le monde qui débranche TAC Info News pour ce journal ça. Je vous mardi 12 septembre 2023. Tout est content de servir. On a croisé demain matin. Bonne journée pour l'autre journal. Mais pas jamais oublier, partager information sur différentes chaînes, sur différentes plateformes pour capable permettre plus de monde connaître ce qui passe dans le pays d'Haïti. Bye bye tout le monde.